Yo la famille, c'est Ado, j'espère que vous allez bien. La seule chaîne avec tous les défis création d'équipe le jour de leur sortie. Aujourd'hui les mecs, on a le défi joueur du mois Première Ligue qui est sorti, comme je l'avais dit hier. Et j'ai dit hier que ce serait Ibrahimovic et finalement j'avais raison. Donc c'est la carte d'Ibrahimovic. Dans l'incertitude, j'ai quand même investi un petit peu dans les joueurs suédois, etc. avant ce défi-là. Donc on nous propose 4 défis pour obtenir la carte de Zlatan. Donc on a le défi équipe Zlatan. Pays de Zlatan, aventure de Zlatan 2 et aventure de Zlatan. Pour réaliser ce défi-là, vous en avez au moins pour 600 000 crédits, je vous préviens tout de suite. Donc déjà, équipe Zlatan, vous en avez pour 550 000 crédits, à peu près sur PS4. Et même si vous allez aux enchères, ce sera ce prix-là normalement. IA nous a un peu trollé en nous mettant un défi code du genre, mais bon après, c'est quand même Zlatan. Mais moi personnellement, si jamais je pack Zlatan sur les 60 packs que j'ai préparés à l'avance, jamais, jamais je ferai le défi. Je préférerais largement revendre Zlatan. Toucher 500 000 crédits, les garder dans mon club, qu'avoir une carte qui vaudrait bien plus avec un meilleur général, etc. Certes, mais que je pourrais pas revendre après, ça me servirait absolument à rien. Donc du coup, je compte pas faire tous les défis, mais je vais quand même vous présenter les équipes pour pouvoir réaliser ces défis-là. Je vais commencer par le premier, soit Pays de Zlatan, parce que équipe Zlatan, je pense que maintenant vous en avez pas besoin. Je pense que vous avez pas besoin de moi pour ce défi-là. Enfin bref, pour le pays de Zlatan, il fallait 11 joueurs suédois, une note générale de 77 minimum et un collectif exact de 100. Donc voilà l'équipe que j'ai composée pour réaliser le défi. Elle vous coûtera exactement 8 950 crédits cette équipe. Donc la voici. Elle est composée de Damir Meić, Linus Wahlqvist, Victor Nilsson Lindelof, Pontus Jansson, Oscar Wendt, Magnus Eriksson, Rasmus Elm, Pontus Wernbloom, Emil Forsberg, Marcus Berg et enfin pour finir, John Guidetti. Je vous conseille sincèrement, même si vous finissez pas tous les défis, de composer ces petites équipes-là pour au moins avoir les packs. C'est des packs faciles à avoir et l'équipe coûte pas très cher pour avoir ces packs-là. Donc et ça vous fera toujours un pack en plus pour le moment où tous les totis seront disponibles dans la boutique. Je soumets l'équipe. Et je récupère ma récompense. Défi réussi les mecs. Les autres défis arrivent sous peu. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, laisser un maximum de j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les frérots et à bientôt.